venu à Alger de la basilique Notre-Dame d'Afrique qui surplombe, qui domine toute la baie d'Alger, qui a été construite par les Français durant la colonisation. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que lorsque l'on quitte l'Europe, lorsqu'on quitte la France, le port de Marseille, on la quitte avec la basilique Notre-Dame de la Garde. Et lorsque le bateau s'approche des côtes de l'Afrique, la première chose que l'on voit, c'est justement cette basilique Notre-Dame de l'Afrique. La Vierge Marie, reine de l'Europe et reine de l'Afrique. La Vierge Marie, reine de l'univers, consacrée par la très sainte Trinité. Elle qui est médiatrice de toute grâce, mère de Jésus, en son humanité, en sa divinité, par pure grâce de Dieu. L'humble servante de Dieu, élevée comme grand signe, la femme enveloppée du soleil, couronnée de 12 étoiles. Voici la merveilleuse, la magnifique côte, la falaise qui surplombe la baie d'Alger. Salam alayki ya Maryam ya mumtali'a ni'matan rabbu ma'aki mubarakat anti fi nisa wa mubarakat thamara batniki sayyidina yasua al-masih ya qaddisa Maryam ya walidat Allah salli li ajlina nahnu al-khata'at al-an wa fi sa'at mawtina amin. Salam alayki ya Maryam ya mumtali'a ni'matan رب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمر بطنك سيدنا يسوع المسيح يا قديسة مريم يا ولية الله صلي لأجلنا نحن خطاة الآن وفي ساعة موتنا أمين. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Slam fellam alala Mariamma, setchuredenayim, rabbiyidim, setsuvaychet yominichirin sinawinirkul, yetsuvarech mistabutim, sayyidna yassu al-Masih, ya qaddisa Mariam. يا ولدة الله صلي لأجلنا نحن خطاة الآن وفي ساعة موتنا.